Bonjour, Laurent, conducteur de travaux chez Paris Ouest depuis un peu plus de 3 ans. Je suis affecté donc sur le lot 7 de l'opération d'Ivry en tant que conducteur gros œuvre. La partie gros œuvre, c'est tout l'aspect structure du bâtiment. Donc on part des fondations, on élève le bâtiment, donc c'est le béton brut entre guillemets. Donc après on rentre dans une seconde phase de travaux qui est tout aussi importante, quels sont les corps d'état secondaires. Je m'appelle Diane, je suis chez Paris Ouest Construction depuis un an. Depuis un an et demi sur ce chantier, puisque j'ai fait mon stage de fin d'études chez Paris Ouest avant d'être embauchée. Et en particulier, je suis conducteur de travaux, corps d'état secondaire. Le corps d'état secondaire, c'est tous les travaux qui sont autres que le gros œuvre, donc autres que le squelette du bâtiment. Donc tout ce qui est à l'intérieur, qui peut être menuiserie à l'intérieur, donc les portes, le mobilier, ou les cloisons. La peinture, la résine au sol, enfin vraiment tout ce qui habille le bâtiment. Pour moi, le conducteur de travaux, c'est un peu un chef d'orchestre. Il doit faire en sorte que tous les sous-traitants jouent leur partition au bon moment, en fait. Ça consiste au suivi d'exécution, à la coordination avec les équipes sur place et notamment le chef de chantier. Nous, derrière, on est en fait plus en phase de préparation et de contrôle des ouvrages exécutés, donc ça c'est pour la partie gros œuvre. En parallèle, on mène également tout l'aspect consultation des corps d'état en vue du démarrage des corps d'état secondaires qui intervient en général 5 à 6 mois après le démarrage du gros œuvre. Moi j'interviens dès qu'on a terminé une zone en gros œuvre, donc le gros œuvre il peut continuer encore sur le reste du chantier, mais dès que j'ai une zone, je commence les corps d'état secondaires en parallèle avec les corps d'état techniques. Parce que les corps d'état techniques ils viennent s'incorporer dans les cloisons, donc l'électricien, le plombier, le chauffagiste, etc. Un conducteur de travaux chez Paris Ouest, il doit être polyvalent, il doit savoir faire à la fois du gros œuvre et des corps d'état secondaires.